On accumule tous des connaissances de la vie, mais on ne fait pas souvent partager les autres, ou du moins, on les oublie, perdus dans la masse de toutes ces informations. Et aujourd'hui, je t'en partage 10. Voilà, c'est cadeau. Tic et Tac s'appelle Chip and Dale en anglais, comme les Chip and Dale, les célèbres danseurs de striptease masculin. La statue de la liberté est faite en cuivre. À la base, elle était rouge-brune, mais avec l'oxydation, elle est devenue verte. Elle n'a jamais été peinte, en fait. C'est juste le temps qui a fait ça. Et les conditions météorologiques. Le chapeau des grooms, qui font le groom service, c'est un fez. Trois lettres. Beaucoup d'affection pour les mots de trois lettres. Zut, zou, cul. Connaissance suivante. Avant d'être acteur, Jim Connery a été livreur de lait et vernisseur de cercueil. Par tous quelque part, on va tous quelque part. Sauver un temps. Netflix est un site parodiant de Netflix, mais pour aider à faire la sieste, puisque nap en anglais c'est sieste. Et surtout des documentaires qui soi-disant sont inintéressants, tels que des documentaires de panda ou des discours politiques. On va faire un tour, c'est marrant. L'expression en voiture Simone, ça vient de Simone Louise Deforest, une des premières femmes à avoir fait des courses automobiles. En 1929, c'est une des premières femmes à avoir son permis de conduire et participer à des courses automobiles en 1930. Il est interdit de marcher sur la toile de Mohamed Ali, qui est sur le Walk of Fame. Walk of Fame. Il a eu son étoile en 2002, et c'est la seule qui est sur un mur, et pas par terre comme les autres. Parce que comme il a pris le nom d'un prophète, il refuse qu'on marche dessus. À moi, il s'appelait Cassius Clay. Il a choisi en 65. Fruit. C'est partie des onomatopées, c'est-à-dire un P vaginal. Minnie et Mickey sont d'éternels amoureux, mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Et Minnie, son vrai nom, c'est Minerva en fait. C'est un diminutif. Le plus long hockey est attribué à Charles Osborne, qui a octé pendant 68 ans. Quand tu hoquettes, relativise un peu. Ah, au fait, j'oubliais. Des bisous.